Bonjour à toutes, ici Sky Galaxy. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode de Pokémon X on the Red Challenge. Alors, la dernière fois, on avait combattu une couple de dresseurs. Et puis, on a eu une évolution de Wizard. Et je vous ai oublié de vous montrer, dans le fond, les stats de Tini. La capture est au niveau 8. Ouais. Alors, cherche miel. Il est doux nature, ce qui fait qu'il a une hausse en attaque spéciale et une baisse en défense. Lui, on l'a vu déjà. Ah, c'est cool, vraiment, Roussel qui a évolué. C'est ça qu'il nous fallait. Qui évolue. Connais-tu le Pokémon nommé Flabébé? Quelle question, il est enregistré dans ton Pokédex. Pas étonnant que le professeur ait été choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type fée. Le type fée est le résultat d'une toute nouvelle classification des Pokémon. Cela signifie qu'il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission. Faire combattre des Pokémon de type fée contre des Pokémon de tous les autres types. Ah, au fait, je me présente Sina, un prénom aussi charmant que mon minois. Ok. Je suis Duxo. Ça, c'est deux personnages-là. Vous les retrouvez dans Soleil et Lune. Il y a 2 ans, le professeur Platon nous a confié un Pokédex. Nous ne sommes des devanciers qu'un peu. Ok. Si tu veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Ouais. Allons-y. Inhumé, c'est la plus grande ville de Kalos. Je n'ai pas encore entièrement exploré. On peut pas parler là-dedans. Alors, tu as entendu bien? Tu t'entends bien avec Atibutrini? Plus les Pokémon cheminent aux côtés de leur dresseur, plus ils s'attachent à lui. D'ailleurs, tiens, c'est tes retours. Plus ton Pokémon t'apprécie, plus la puissance de retour sera élevée. C'est cool. Au-delà de cette porte, c'est un Inus. Qu'attends-tu? Il attend pour toi de la franchir. La franchir. Belle. Cette belle cité d'Inus. Alors, il faut vraiment comme dans l'anime. On peut pas combattre tout de suite l'enfant. Le champion de Nice. Alors. Dans l'anime, Sacha, il arrive à Lumis, il peut pas combattre. Finalement, on va combattre Violette. C'est cool. Bon, eh ben, je pars devant et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire en la suivant. Fais-nous confiance. Il nous indique le chemin de la. Le laboratoire du professeur Platon. Charmant professeur. Allons-y, allons-y. Et voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platon. Retenons notre souffle et entrons. Ah! Non, je retiens plus. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Croquis. Le professeur brûle de te rendre. Le professeur brûle. Il est en flamme. Je t'ai rencontré dans le temps au 2e étage pendant que l'ascenseur. Oui, il brûle. Au 2e étage. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Parfait, par ici, je te prie. Non, je ne veux pas. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage, s'il te plaît? En as-tu rencontré beaucoup? Pas de
cachotterie entre nous. Laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as vite 33 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Eh bien, ça commence à se remplir doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour essayer. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bokri, ce devait être le fils vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, la fameuse bloquée de Rhinophon, aménage avec sa fille. Le hasard est souvent l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle raison? Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi, Sana! Désolé pour le retard, prof. Parfait! Puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. Bien, pouvons-nous commencer? Ah, oh, professeur qui est notre adversaire. Attention, toutefois, je suis vraiment très mal. C'est ça qui dit. Première fois qu'on se bat avec un professeur. Tini. Charge. C'est pas charge, c'est folienne. Son charge est des foliennes. Oh, niveau 16. Fléau. Le lanceur est fait tourner noyer son fléau. Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Il a compris juste un moment. On va changer. Juste pour être sûr. Ça, on va utiliser que. Ok. On va continuer avec lui. Comme les crapins. Ok, c'est bizarre comment il fait son mimiqueux. La défense. Et moi j'essaie de baisser sa défense, mais lui il en a. Je pense qu'il est grand temps d'attaquer.
battu. Ah, j'ai perdu, tu m'impressionnes vraiment. Mon esprit d'analyse a saisi le crumbling. Saisi le crumbling? De quoi? Sky, tu as un dresseur qui sort de l'ordinaire. Crois en mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne ferait pas de mal à ton équipe. Choisis si tu veux. Ok. L'enfant n'est pas tellement de fou, on n'a pas besoin que ce soit R ou O. Mais je sais pas si on va avoir un Pokémon O. Fait que donc je vais prendre Carapuce. Ce Carapuce, bon choix. Très bon choix. Bon, faut qu'on donne un autre Carapuce. Ben oui. Alors, Carapuce. Touti, 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 en tout, en tout, oui. J'ai la tarte en kit. Et vous deux, ne faites pas votre même bateau de choisir un Pokémon sans vous battre. Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Prof, tout le monde est déjà présent? Ça m'a l'air tout là. Parfait, mon intuition ne va pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous devenez des dresseurs d'exception. Que vous profiterez de votre voyage avec les Pokémon. Et puis, surtout, que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos. Le secret de la nouvelle forme d'évolution que j'ai nommée Méga Évolution. D'où la Méga Gemme donnée plus tôt. Elle devrait constituer un bon indice. La Méga Évolution et les Pokédex dans tout cela. Trouve à tout, mon petit. Si compléter le Pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi, j'ai attendu Méga Genesis. Je sais que ça va me plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Ventus. C'est une ville pleine d'histoires, vous y retrouverez sûrement les indices. J'ai toute votre attention. Pour enlever le Pokédex, il faut viser le plus de lieux possible et donc de rencontrer des gens qui pensent différemment ou des Pokémon à l'écologie habituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'éloigneront naturellement. Être différent, je ne sais pas. Je ne sais que ce que. Je sais que c'est ça qui fait tout le bonheur. C'est pour ça que les mécanismes, ça m'intéresse tellement. Ok. Poussage. C'est quand que dans le fond on veut attraper un Pokémon mais qu'on veut juste laisser un PV, ce qui est vraiment cool. On descend au premier étage. Doucement. L'explore. Essaye d'avoir ceci, c'est quand on le mutissement, on peut changer l'enfant au mutissement qu'on veut. Ok. Alors, on va se rendre au rez-de-chaussée. Et on va terminer dans le fond cet épisode ici.
Alors, merci d'avoir écouté ce 7e épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est sûr, bon, il n'y a pas eu trop d'affaires. On a combattu Platane, on a eu un Carapuce, ça c'est super. Finalement, on a 4 Pokémon, ça qui commence à être cool. Comme ça, ben, on va avoir vraiment plus qu'on a de Pokémon, plus qu'on a de chances de finir le Nuzlocke. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le 8e épisode. Bye bye!